Boromo, en passant par Boromo, Yamsoko, où les villes de moi et Daloa nous ont rejoints. Après Yamsoko, nous sommes arrivés à Abidjan. Donc vous dites que ça a été du nord au sud en passant par le centre et l'ouest. Aujourd'hui, c'est la fin d'une compétition, d'une édition que nous avons, disons d'une compétition nationale que nous avons tous ici voulu que ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes à Iwasata, Iwasata Mto. Je vous souhaite déjà les bienvenus à cette compétition. Déjà, vous remercier pour votre disponibilité d'avoir trouvé un temps pour venir consacrer ce moment-là avec nous, où nous allons voir des jeunes créateurs, des entrepreneurs dans l'art et qui sont là, là pour les détecter et les retenir et les mettre à votre niveau. Assister à la grande finale de Iwasata Mto ici au plateau. Je suis cofondateur de X-Lab et vraiment il faut dire que c'est une très bonne opportunité que Iwasata Mto donne à tous ces jeunes Ivoiriens, à tous ces jeunes entrepreneurs de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vendre leurs projets, donc leurs produits face aux investisseurs potentiels qui sont là. Et je pense que sorti d'ici, on va gagner en expérience et nous croisons les doigts pour que les choses puissent se tourner en notre faveur. Merci. Bonjour, je suis Toali Bédarus, promoteur du projet là dans la rue. J'ai été sélectionné pour la finale et c'est bien déroulé. Nous avons fini de discuter cet projet de recyclage de pneus que nous sommes venus présenter, mon équipe et moi. Et je remercie Iwasata Mto pour l'initiative et pour la chance qu'il accorde à notre lab à Yalo de présenter nos projets. Et nous espérons que cette activité sera pérenne pour les jeunes entrepreneurs d'avoir du pouvoir. Merci. Bonjour, je suis Swagger Transylvanus. Je suis venu présenter X-Lab à la proposition Iwasata Mto de la région. Et nous sommes à la finale ici, nous venons juste de se switcher, nous attendons les résultats. Et c'est vraiment une expérience pour nous qui sommes des start-upers, d'avoir cette association de connaisseurs dans le domaine pour nous aider à monter nos projets. En tout cas, merci pour l'organisation, merci à M. Kofi et bon temps. Et voilà, ça va. Bonjour, je suis Delphine Mourani. Je suis là pour présenter ma solution pour la Côte d'Ivoire, pour la zone rurale.
une ampoule intelligente qui s'active à base de l'eau et qui dispose d'un système de rechargement. Voilà ma solution. Et le coût pour commencer mon projet est de 5 millions. Je vous remercie. Je suis Namima Bamba. Je suis venue participer au concours de l'Ivoastat pour venir présenter mon projet. C'est un projet de coût de 8 millions pour pouvoir répondre aux besoins alimentaires de la population. Surtout que mon produit, c'est l'un des aliments les plus consommés au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour le moment, il y a un manque de quantité et de qualité aussi de conservation. Donc, ça, c'est des gens à qui nous voulons répondre à travers le produit que je présente, qui est la plus de manière. Bonjour, je suis M. Mbetia de Eco-Cité et je suis venu, c'est ma deuxième participation par rapport au projet de Start-up Ivoire. Et je présente mon projet de propriété dans les cités, comment développer la propriété dans les cités, comment améliorer la propriété dans toutes les cités ivoiriennes pour au moins ça puisse donner un cadre d'environnement sain pour les habitants de ces cités-là. Ivoire Startup à sa quatrième édition. À sa première édition. Première édition. Voilà. Donc quelles sont les perspectives? Ok, nous pensons que déjà il y a de bonnes perspectives parce que déjà la première rencontre, déjà nous avons des partenaires internationaux comme ici. Et donc nous pensons que les choses vont aller de l'avant et nous avons foi que ce projet va aller jusqu'au bout. Je voudrais dire grande félicitations à les deux gagnants. Le gagnant premier, ça c'est l'agriculteur. Ça c'est une très bonne entreprise qui fait le poutre de manioc. Ouais. Et le deuxième, ça c'est le Biden. Ça c'est aussi une entreprise qui travaille dans le secteur de l'agriculture. Et au niveau des chips, de bananes et de miam. Ouais. Donc j'aimerais dire une grande félicitation à l'heure. Et merci pour High Voice Startup Tour aussi.